Non, le portail de Rémar, là. Et du coup, ouais. C'est là. Que voulez-vous? Ouais, encore, ça aurait été... Hein? Ah, c'est pas vrai, je suis près de... Je suis pris dans la tempête de merde. Mais dégage! Oh! Il est chiant ce truc. Oh, cet enfer! Voilà, quand même. M'a lâché. Oh là là. Pour ça que j'aime pas venir ici. Il y a cette tournade de merde là qui fait Pardonnez-moi. chier en permanence. Je vous prie. On a pour long. Bah écoutez, on en a pour long.
Désolé, je peux pas quitter la fenêtre de jeu. Je voulais commencer à trier mes roches. C'est pas grave.
Bien. Eh oui, World of Warcraft, c'est aussi ça. C'est aussi un gros travail sur le sound design, sur la musique. C'est beaucoup de musique, World of Warcraft. Toutes plus mémorables l'une que l'autre. Vos entrailles brûlent. La confrontation finale commence. Le seigneur de guerre, Zéala, en encore un nom qui écorche la langue qui le prononce. Elle a joué un rôle central dans la libération de Garrosh lors de son procès en attaquant le temple du Tigre Blanc avec le clan Gueule de Dragon. J'ai honte de le reconnaître que le dragon Kheirosdoramnou était également impliqué dans cette affaire, mais ne parlons plus de tout cela. Nous devons maintenant nous rendre au temple au sommet de Qun'al. Ok. Ah, j'ai pas vu que c'était un Akronos. D'accord, ok. C'est sa forme humaine. D'accord. Ok. J'aurais. Je sais pas pourquoi, Nakronos, j'aurais. C'est peut-être à cause du début, Anna. J'aurais parié que c'était plutôt une femme. Mais. D'accord. Ok. Pas de soucis. J'aurais plutôt parié que sa forme humaine aurait été une femme, mais c'est pas grave.
Est-ce que j'ai... Non mais... attendez, 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 attendez. Pourquoi je vois aucun fly? Bref. Il faut que j'aille aller rencontrer les autres. Ta, 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 ta. Ah, attendez, il y a beaucoup trop de trucs là. Alors. OK. OK, et il est là le récif de fer infernal. On est où là? Mais pourquoi il me parle du... Ah non, ok, c'est pour prendre le zeppelin. Vers Orgrimmar? Ouais, alors attends. Oh. Hey, Orgrimmar, t'es sympa. J'ai un autre moyen d'y aller, hein. Beaucoup plus rapide. Je suis juste à la frontière entre les portes foudroyées et la terre et la porte des ténèbres. Temple du tigre blanc. Attendez, bah c'est pas... Ah, ça va, c'est juste à côté, je vais y aller en volant moi-même. Et pas prendre le fly. Ce sera plus rapide en volant soi-même. J'avais justement besoin de me dérouiller. Merde. Ma lame aura raison de vous. Ça va, t'énerve pas. Ma lame, les flammes vous dévoreront.
suis désolé, Garrosh. J'ai failli à mon devoir. Notre destination finale nous mènera dans les profondeurs de notre ville d'Orgrimmar, qui voit la voie qui y mène est condamnée, mais je peux vous faire entrer malgré tout. Retrouvez-moi devant les portes de la ville où nous descendrons ensemble. Ok. L'écho de Garrosh lors du siège d'Orgrimmar. Ok. Garrosh sur l'enfer. Bon, encore une fois, hein, Orgrimmar. Cette fois-ci, on va passer par Dalaran. Dalaran, l'enfer du chargement, on connaît tous. On connaît tous cette ville de merde. Et là, on attend que le portail apparaisse. Vraiment optimisé avec le cul cette ville. Bon. Loin. Ouais. C'est glauque. C'est un cœur enchaîné, c'est ouf. Ok. Ah. Ah. Bon, ça devrait le faire. Je vais vous tuer. Je n'ai pas de cible.
Mon peuple aurait dû conquérir ce monde lors de la première guerre. Mais il a succombé à la corruption. Dans leur faiblesse, les orques ont accepté des races pathétiques au sein de la Horde. Je vais réussir là où ils ont échoué, et toutes les puissances de ce monde ne pourront pas m'en empêcher! Eh oh, dans les races pathétiques, j'espère que tu ne vises pas les elfes de sang. Admirez la puissance de l'arsenal de la véritable Horde. Non, ça ne peut pas se terminer comme ça. Ce n'est pas ce que j'ai vu. Okay, super. Comment je sors? Par là, je suppose. Tout simplement. Allez. Retour à Zuldazar. On se bat toujours en duel, évidemment, là-bas. Allez. C'est bon. Avez-vous fait une découverte? Ok, et donc là, on a Etrig. Notre priorité, c'est de rappeler à Grommash sur l'enfer qu'il a une dette envers nous. Tout repose sur cette mission, MDG Normand. J'espère que vous êtes meilleur diplomate que moi. Soyez sur vos gardes. Nous ne savons pas à quoi nous attendre de l'autre côté. Parlez à Eltelef pour gagner Draenor et rencontrer les Maghar. D'accord, ok. Ah oui, mais... Attendez, ça c'est pour faire les quêtes des Maghar, mais c'est bon. On est bon. D'accord, mais ça, c'est une suite de quêtes pour les, c'est une suite de quêtes pour les Maghar, mais on s'en fout, non? Ah non, c'est pour qu'ils rallient après la Horde. C'est pour qu'ils rallient définitivement la Horde d'accord, ok. Bon, écoutez, quoi qu'il en soit, donc on sait que ici on pourra continuer. Moi, je vais me renseigner sur les autres quêtes, mais concernant plus le côté Enzoth.
De toute façon, j'ai des quêtes à faire là. Ah bah pour l'Empire Zandalari en plus. Donc ça, de toute façon, je fais ça ce soir. Mais voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais arrêter le tournage ici. J'ai tourné pendant quasiment 3 heures. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Enfin, sur ce, que cette série de tournage, enfin que cette session de tournage vous aura plu. Et sur ce, je vous dis ben, pour vous à la semaine prochaine. Pour moi, je sais pas quand. Que cherchez-vous? Chorera. Qu'est-ce qui vous amène? Je sais. À bientôt. Bien, nous sommes de retour. Pour vous, on est dans le même épisode parce que j'ai vu que voilà, ça tombait pas rond au niveau de mes coupes. Attendez, je termine juste ça. Hop. Attendez, excusez-moi. Petit truc sur téléphone. Je suis à vous. Donc, nous avions on continue avec. Avez-vous fait une découverte? Alors, je n'ai pas joué depuis presque 2 semaines. Je n'ai pas rejoué depuis le dernier tournage. Donc, je vous avouerai que j'ai un petit peu oublié où on en était. Je me souviens qu'il fallait à Draenor pour aller récupérer quelque chose. Vous le croyez ça que la Horde n'a jamais créé de bureau officiel de Télémancie? Ah, excusez-moi. Voilà, j'ai oublié de couper mon ventilo. Junior, comment se débrouillent ces citoyens pour se déplacer sans risquer leur vie à chaque voyage? Imaginez un peu tous ces portails ouvrant des failles dans la réalité sans être correctement ancrés. Attendez, excusez-moi. Hop, on va mettre en plein écran, ce sera mieux. Enfin bref, je suis heureux de pouvoir offrir à la Horde un réseau de téléportation stabilisé. Et maintenant, circulez, je vous en prie. Ah oui, c'était ça. On avait récupéré auprès du dragon du temps un artefact pour pouvoir retourner à Draenor. On est en raid, visiblement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est visiblement rien. Ok. Je vais tout de suite invoquer mon marcheur. Okay. Oui. Encore.
Ce commandant Gaillara est animé par une flamme hors du commun. Je finirai peut-être par apprécier sa compagnie si elle ne nous tue pas avant. C'est une femme? D'accord, ok. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Rendez hommage aux symboles de chaque clan et j'en ferai l'éloge. Traitez-les avec respect ou nous ferons connaissance avec la lame de leur bourreau. Rendez hommage aux symboles des clans orques. Ok. Ça, c'est le Mont Roche-Noir. Là, j'ai pas. Ah, d'accord, c'est affiché en bas à droite. Bon, bah, je me suis spoilé. Chante-guerre. Ok, d'accord. Ah, bah, ça, c'est les loups de givre. Ah oui. Bon, il n'y avait que champ de guerre que je ne connaissais pas le symbole. J'entendrai vos paroles, mais je jugerai vos actes. Alors je suis en train de lire, hein, je vous laisse lire aussi, je lis pas à voix haute. Ok. Alors, Gaira a le même tempérament que sa mère, ce qui n'est pas peu dire, affronter un ennemi commun pourrait nous aider à venir à bout de cette méfiance. Nous avons soumis les clans ogres il y a fort longtemps, mais de temps en temps, l'un de leurs guerriers les plus courageux, pour ne pas dire des plus stupides, attise les braises de la rébellion. C'est précisément le cas en ce moment. Etrig et vous allez aider Goyara à réprimer le soulèvement des ogres. Faites vos preuves au combat et vous gagnerez peut-être leur respect. Ok, donc visiblement c'est par là.
Est-ce que je peux utiliser ma monture ici? Oui. Est-ce que je peux utiliser ma monture volante ici? Non. Ça aurait été trop beau. Ben, je vous laisse lire dans le chat. Hein. Là, j'ai envie de combat. Attends, c'est loin. C'est loin. Je suis où là? D'accord, je suis à Gorgon en fait. Enfin, je suis dans une version de Gorgon. Non. On va plutôt suivre la route. Ok. Et donc, d'accord, je dois tuer 10 de ces ogres. On va essayer de faire ça. Je m'assois encore sur le loot, hein. Pourquoi pas? Hop, voilà les derniers. Il me faut une cible. Ok. Ça reste par là. Tente. Hein. Putain, le PNJ me colle trop là. C'est malaisant. Ok, donc c'est pas là. Putain, mais c'est où? Il y avait une grotte là? Non. Passage ici.
C'est deux à moi. C'est par là. Alors là, je... Attendez. Quoi, je peux pas passer par là? Attendez, je sors par où là? Ah, je peux pas monter ça. Ah, hey, c'est pas vrai. Les... Ah, puis je me trompe de sens de la molette. Est-ce que c'est par là? Non, mais il n'y a rien par là. Donc c'est pas ça. Ah, d'accord. Je l'ai pas vu. Je ne l'avais pas vu. Bien sûr, j'ai pas la carte des lieux. On va passer par là. Ça a pas l'air d'être ça. Est-ce que ça, c'est pour ça, ça, je peux pas interagir. Si je tombe là-dedans, je suis mort. Je n'ai pas de cible. Donc, c'est pas par là. Ça n'est pas par là. Par là, je peux pas monter. Je crois que j'ai trouvé ma cible. Oh, ça va, presque 1 million de points de vie, c'est pas la mort. Surtout avec deux PNJ alliés, c'est pas... Il m'a raté. Mais attendez, mon mode guerre, il marche plus? Comment ça se passe? Bah si, mon mode guerre est activé, je vois pas pourquoi quand je draine ma corruption, elle se régénère pas. Quand ce n'est pas un soulèvement d'ogre ou la famine qui menace, ce sont les empreintes de lumière qui nous tombent sur le rable. Si des rapports disaient vrai, ils ont
jamais osé approcher aussi près de notre forteresse depuis des lustres. Restez ou venez avec moi, je m'en fiche, mais décidez-vous rapidement. Aidez Gaga à combattre la tyrannie de la lumière. Ok. Et on va attendre que le dialogue en cours se termine. Je vais le lire en travers. Bah, j'espère que tout ça nous amène quelque part. Hein. Faut sortir, faut sortir. Ok, on ressort, on rejoint la route. Oups. Attendez, excusez-moi juste un instant. On est bon. Alors, attendez. C'est bon? Bon. Hop, a priori. Ok. C'est sur une monture. Ok. Ok. La question c'est est-ce qu'il faut que je bute aussi les...
Ouais, alors c'est le problème, c'est que j'agrossis ce qui... Alors, qu'est-ce que vous foutez? Allez, attaque. Voilà. Oui, donc ça a compté. Donc on y va. Et oh. Attendez, excusez-moi, je suis déjà en train de choper une crampe. Que je suis mal placé. Bon, donc...